Bonjour à vous tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, une émission spéciale pour la francophonie parce qu'on va aller voir un grand maître francophone du Maroc. Alors, je sais qu'il y a certains Marocains qui sont abonnés à ma chaîne, puis il me fait un plaisir d'aller parler du meilleur joueur marocain qu'a vraiment de l'histoire des échecs. Alors, on va aller voir, premièrement, pour vous montrer l'exploit de ce joueur, qui s'appelle Hicham Hamdouchi, le grand maître Hicham Hamdouchi. On va aller voir, premièrement, où est-ce que se situe le Maroc par rapport aux pays, aux différents pays. Donc, ça, c'est la cote moyenne du top 10 de chaque pays. Alors, comme je vous dis, moi, ici au Canada, 2534, 34e. Et on va aller voir le Maroc. Le Maroc, ici. Alors, le Maroc, juste pour vous dire, le Maroc, c'est 2269. Donc, le Maroc, c'est 88e pays. Alors, on voit que ce n'est pas une cote moyenne des plus élevées. Et comme je vous dis, pour qu'un joueur marocain ressorte comme Hamdouchi fait et a fait, c'est très impressionnant. Alors, on voit ici Hicham Hamdouchi, présentement 2552. Alors, c'est du joueur. Puis on voit que, je veux dire, en tout respect, le niveau des joueurs marocains diminue rapidement, ok? Parce que je serais probablement un parmi ceux-là. Mais quand même, je suis certain que on fait beaucoup d'efforts au Maroc pour promouvoir le jeu. Alors, Hamdouchi, on va aller voir un article ici qui a paru pas si longtemps, j'imagine. Très impressionnant. C'est un des premiers Marocains à s'être mis aux... Alors ça, c'est lui. C'est un des premiers Marocains à s'être mis aux échecs et un des meilleurs en la matière. Quand t'es un grand maître, t'es un des meilleurs en la matière, en effet. Et j'ai vu Hamdouchi dans une vidéo sur YouTube. Puis, il semble vraiment... C'est un type qui semble vraiment... J'ai aimé l'énergie qu'il dégage. Vraiment sympathique. Alors, les échecs, comme ils disent, c'est peut-être l'une des disciplines les moins populaires dans le pays. Mais pourtant, ça n'a pas empêché certains Marocains de briller. Alors, Hicham Hamdouchi en est l'un d'eux. Il a maintenant 47 ans et il a remporté, bien sûr, plusieurs prix et distinctions. C'est intéressant, sur Wikipédia, ils disent qu'il a commencé un âge précoce, mais lui, il a dit dans la vidéo aussi qu'il a commencé à 12 ans, qui est quand même assez vieux comparé aux standards d'aujourd'hui, disons. Ou est-ce que c'est que beaucoup de joueurs commencent à 5 ans? Alors, il a découvert c'est une passion dans le jeu d'échecs. Et après un premier tournoi remporté en 1986, il décroche en 1989 son premier titre de champion du Maroc. Puis, premier titre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10 titres, et probablement qu'il aurait pu en gagner d'autres. Parce qu'en 2004, je veux dire, c'est quand même le joueur marocain le plus fort de plusieurs points et lots.
En 1993, il a décidé, bien sûr, comme d'autres joueurs, de s'installer en France, ici, puis pour aussi poursuivre ses études. Alors, waouh! Il est devenu champion de France aussi, champion en 2013. Puis, il a décidé de rejoindre à nouveau la Fédération marocaine des échecs en 2016. Alors, pour laquelle il joue jusqu'à aujourd'hui. Quel joueur impressionnant. Dans un pays où le jeu d'échecs est encore moins populaire, ce que je peux voir, que mon pays, le Canada, que je trouve que les échecs, c'est pas trop, mais encore moins un joueur comme ça a réussi à ressortir et à devenir grand maître international. Quel exploit! Excusez mon enthousiasme là, mais quand même. Alors, Hamdouchi ici, ok, ça c'est la page Wikipédia. Il a battu, il a fait une nulle en 1990 contre Victor Korchnoi. Alors, waouh! Impressionnant, là! Quand on connaît la longévité de Victor Korchnoi, qui a été un candidat au championnat du monde, c'est quelque chose. Puis, aussi, il est devenu important, il est devenu grand maître en 1994. Et aujourd'hui, on va regarder une de ses parties de 1994. Une partie que je vous avouerai très violente. Et une partie jouée par pas n'importe quel joueur, un autre joueur de la francophonie. Une partie jouée contre Joël Lautier. Alors, ceux qui ne savent pas qui est Joël Lautier, j'ai été voir le Wikipédia rapidement, bien sûr. Alors, Joël Lautier est né au Canada, mais c'est un joueur d'échecs français. Donc, il habitait en France, là. Sa nationalité est française. Puis, Joël Lautier, ce qui est impressionnant, c'est que l'année qu'il s'est fait battre par Hamdouchi, il était candidat au titre mondial en 1994. Et je pense qu'en 1994, il y a eu une bonne année parce qu'en plus, il a battu Garry Kasparov. Alors, bon, ça fait. Mais là, on va voir qu'est-ce que Hamdouchi va faire contre Lautier. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. C'est ça. On va rapetisser. Oh, on va enlever ça. Rapetisser le tout. Et on va regarder cette fabuleuse partie. Bon. Alors, Hamdouchi a les blancs. E4, C5. Alors, une sicilienne. On ne s'arrêtera pas sur tous les coups là, exacts. On veut juste regarder la beauté de cette attaque d'Hamdouchi. Cavalier C6, cavalier C3. Alors, sicilienne ouverte. G3. OK. A6, fou G2, cavalier 6, petit roc, fou A7, E3, petit roc, F4. Alors, probable, avec F4, E4, le fou. Ouais, probablement une attaque sur le roi adverse, D6, enlève son roi H1, pour si jamais que l'adversaire attaque le fou quelque chose pour pas qu'il y ait des échecs durs sur les nerfs. Tour B8, A4, oui,
On pêche le B5 tout de suite. Le B5 qui peut être un peu libérateur. Tour E8. Et là, E5. On voit E5. Je pensais que j'avais enlevé l'évaluation de l'ordinateur, mais on voit que E5, et c'est pas grave, on voit E5 ici n'est pas vraiment aimé de l'ordinateur, mais l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Il faut en prendre puis en laisser. On est humain avant tout, nous. Et j'aimerais quand même enlever ça, mais je pense pas que je peux. Ça fait... OK. OK. Et là, E5. Alors, il y a des pions qui se touchent ici. Cavalier capture D4. Alors, on peut peut-être se demander pourquoi l'autier n'a pas pris. Je ne sais pas si c'est ça qui serait le coup. Il a choisi de prendre là. Je me demande si... OK, peut-être ça fait plus de sens. Perte de fou, etc. Donc, l'autier, de toute façon, n'a pas choisi de prendre 5. Il a pris, et c'est une erreur, il a pris... cavalier. Ben, c'est une erreur, mais ça, c'est l'ordinateur qui nous dit ça. C'est vrai que c'est une erreur, mais il faut encore être capable de démontrer à un des plus grands joueurs de la planète durant ces années c'est quoi l'erreur. Cavalier N7. Et ici, il joue dame G4. Je sais, l'ordinateur n'aime pas ça, mais si t'es les noirs, puis l'autre joue dame G4, ton roi est là. Ça peut être pas mal stressant. Ici, quoi aurait pu prendre et jouer cavalier A4, je pense. Mais voyons voir comment l'adversaire va réagir. Il prend, et joue ce coup-là qui n'est pas fameux. Donc, là, ça va être intéressant. Cavalier... Ouf! Wow! Cavalier D5. Disons qu'il n'y a pas grand choix. Tac, la dame prend. Oh! Tour prend. Menace échec et mat par la dame ici. Et le fou. Ici, le roi aurait dû prendre, mais le fou revient. Mais imaginez le stress et tous les calculs que l'adversaire doit faire. Ben c'est une bonne... Pourquoi il n'a pas pris? Parce que c'est terminé ici. Je vais aller demander à notre ami. À notre ami, l'ordi. Où est-ce qu'il est l'ordi, là? Échec, ouais. Ouais, le roi est en plein centre, il a pas... Sans vraiment calculer, on peut voir que ça va vraiment mal ici, là. Mais tout de même, j'aimerais aller demander. Tiens, mon stockfish. Ok, ouais, fou D5, ok. Échec. Fou D5. Ok, ouch. Et là, ça continue, et le roi en plein centre. Donc déjà ici, c'est terminé, mais il faut savoir quoi faire. Alors, fou F8, le fou prend, roi s'enlève, la tour vient en jeu, la dame... Alors, et là, c'est une exécution, d'assassin vraiment, là. Une fois que le roi est dans une position comme ça, la valeur des pièces est presque secondaire. Et secondaire, vraiment, c'est l'attaque sur le roi qui va l'emporter. Alors là, il fait de très beaux coups aussi. Ok, ici, l'ordinateur n'est pas content, mais c'est fini, non?
Wow. Et l'abandon. L'abandon de Lautier. Mais il fallait y penser, là. Si on recule un peu, là. Premièrement, il fallait avoir le cran de jouer cette ouverture-là contre un super grand maître durant ces années, de jouer Dame G4, juste dire. Et c'est ça qu'il faut faire. On ne recule pas devant rien. Dame G4, et regardez le cavalier D5. Wow! Bang! Tiens, qu'est-ce que tu fais contre ça? Tour, prend, et c'est terminé. Wow, l'enchaînement, là... Ouf! Cavalier D5, wow. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on sait jamais, peut-être que Hamdouchi, le grand maître Hamdouchi, est un abonné de la chaîne. Alors, on le félicite. Ça m'étonnerait. Mais, wow! Alors, les amis marocains et la francophonie, toute la francophonie, avoir un joueur de ce niveau-là, c'est très impressionnant. Et si jamais un jour je peux faire une simultanée, jouer contre Hamdouchi, ça me ferait un grand plaisir. Alors, merci à vous tous. C'était Hub City Chess. Hub City Chess.